Bah écoutez, on va pas attendre plus longtemps que ça. On va lancer. It's one of those mornings. It's one of those mornings. Hi everybody, welcome to Star Citizen Live Soirée Mantis très chargée chez CID, I'm your host Jared Huckabee, personnes. And you just saw the Mantis trailer, which was released earlier today. We are here to talk about Tom, RSI's new Cannon. Quantum Enforcement ship, Je the Mantis, as well as the autres. Quantum Bonsoir, Enforcement Fofo. Mechanic, which is newly added to Star Citizen Alpha 3.7. Joining us here on the show this week are an esteemed... I think this is the first time we've had five people on the show. I don't know if it's ever, but it's definitely been a long time. Why don't we just go around the table real quick and tell everybody who you are and what you do for Star Citizen. Chris, I'm actually going to start with you this time because we never start with the person who's remote. So, Chris, tell us who you are and what you do for... Yeah. What do you do? My name is Chris Smith. I'm a lead artist here at CIG since the very beginning. And I build ships. Chef artistique. And what are some of the ships you've built for Star Citizen? Recently, the Mantis, of course, which one we're talking about. I've also built the 300i series. Il a bossé sur the 300i, Hornets, il a bossé sur le Mantis, le Hornet. And a few others, the bike, the Nox bike I did. Il a bossé sur le Nox. You worked on the Constellation. Very long ago. Constellation. Il a bossé sur le Constellation. It was a few years ago. So yeah, a lot. En même temps, s'il est là depuis le début, ouais, c'est logique qu'il ait vu passer quelques vaisseaux. Like you said, you've been here voilà, since, si le carac n'est pas encore sorti, c'est de sa faute. Your ship list is quite long. Yeah, yeah. And mostly like small to mid-sized fighters, stuff like that. Ah oui, j'ai une petite pause. C'est vrai que vous ne l'avez pas entendu, du coup, quand mon micro ne marchait pas. Mais donc ce soir, pour la traduction, je suis accompagnée de mon chat. C'est mon chat qui va m'aider à faire la traduction, puisque Eno est indisponible pour des raisons de taux d'alcoolémie trop élevé. Voilà. C'est jamais pour ça que je suis seule ce soir. J'avais envie de balancer un peu. Ça me tient à cœur. And then here at the table, joining us here in the LA studio, we've got Kirk. Tell us who you are and what you do. Kirk Tom. I'm Kirk Tomei. I'm the lead system designer here at CIG. Donc c'est un chef designer. And I work on ships, qui bosse principalement of ships sur les vaisseaux. Ship-related systems. Et donc les systèmes qui sont liés directement aux vaisseaux. The most recent thing that we worked on. Bientôt le carac. And a system designer. In the basic sense, what fin is de the l'année, system design? Pour Noël. So we actually determine what gameplay is going to be like for ship-related systems. So, how does quantum enforcement work? What's the philosophy behind how players will interact voilà, with it? Il explique en gros comment les gameplays qui sont liés au vaisseau fonctionnent. Par exemple, justement, le quantum enforcement pour le Mantis. Qu'est-ce que c'est le gameplay pour les joueurs? Comment ça doit fonctionner? Ce genre de choses. Toujours ces pièces de cutlass qui font la fête. Ah, c'est mis à boire le carburant du cutlass comme il tourne à la vodka. Kind of an undefinable, Master Miyagi, ouais, c'est un peu ça. J'avoue que Kartome, c'est un peu un cliché sur Pat. Le vieux sage qu'on voit dans Gremlins, c'est lui. And immediately to my left here, Mark we Evans. Have the people who we have some of the people that take those ideas, those directives, and make them a reality. We have a couple of engineers. Mark, tell us who you voilà, are. Donc, and what eux, you c'est des ingénieurs. I'm Mark Abent. I'm et donc, ils prennent les idées que Kartome a. Créer et les rendre réels. Kirk to make his awesome designs practical and functional in the game. So with this Mantis interdiction device, once Kirk was couleur, able to finalize what we would like to see in the design, it was my responsibility to take that and see how we can make that magic happen and what donc limitations voilà, c'est la responsabilité de Marc de voir comment ils peuvent faire en sorte que la magie apparaisse. Requirements that we could actually achieve. And then once I was able to break down that stuff, I handed it over to the person on my left. Okay. Hi, donc en gros, une fois qu'il a tout, tout décortiqué, tu peux voir comment on peut faire, il le passe à l'homme à sa gauche. Donc lui, il a rejoint la compagnie il y a environ un an. The translation, if you will, from the human language into computer language
of the various features and functionalities designed by Kirk. Ok, donc en gros, apparemment, son boulot, c'est de traduire le langage humain en langage machine. Faire en sorte que les... Well, thank you so much, Aldo. I usually have a pretty long-standing policy here. I don't approach anybody in their first 6 months. I usually let people get used to Star Citizen, get used to the product, because this is a very dense project with a lot of tribal knowledge. It takes a lot to catch up au moins on six mois avant de faire intervenir quelqu'un sur un plateau histoire que la personne ait le temps de s'adapter. So you got a bonus 6 months, but I'm really happy that you're here. Thank you so much, Aldo. Thank you very much. All right, so we've got designers, we've got programmers, we got engineers, and we got artists. We are set to cover all aspects of the Mandus. Now, earlier this week, we put up a thread on Spectrum, which is our communication platform on robertspaceinitiatives.com, to start collecting questions throughout the week. We would have those questions right now. We were able to print them off just before the website went down this morning. I'm told that we are working on it, that we have our best people working on it. Bon, maintenant le problème est réglé, mais il annonce aussi que voilà, il sait qu'il y a un souci, mais qu'ils ont mis les meilleures personnes dessus et qu'ils sont en train d'essayer de régler le problème. We have a lot of folks excited for 3.7, and folks are just hammering. Malheureusement, il y a beaucoup d'enthousiasme en fait par rapport à la 3.7 et tout s'est cassé la tronche parce qu'il y a tellement de monde qui a essayé de se connecter. Ça a fait planter tout le système. As humanly possible. So, all right. So we do have those questions here right off the bat. A question that interested me the most from the moment I first heard about the Mantis, and I actually went to Dave Haddock for this answer for a bit, so we'll see what you got, and then I'll give you what Dave Haddock's answer is. Cool. What is the intended use of the Mantis for the lawful player? Because at the surface, the Mantis seems like it's pretty obviously not for people wanting to be on the right side of the law, but you can definitely use it for... Alors, la question, en gros, c'est... d'ailleurs, il allait demander au responsable du système de loi, on l'a déjà vu dans les ATV, pour voir qu'est-ce que c'était son point de vue là-dessus, parce que c'est une question un peu particulière niveau gameplay. La question, c'est quelle est l'utilité du Mantis pour les joueurs qui voudraient respecter la loi, en fait. Parce que... Mais c'est quelque chose d'assez intéressant au final, parce que c'est un vaisseau qui pourrait être utilisé par la sécurité, mais c'est vrai que pour les joueurs, on aurait tendance à penser que c'est un vaisseau qui est là plus pour embêter le monde, on va dire, plus que pour faire respecter la loi. Piracy. Mm-hmm. You can. Yeah, that is one of the uses that it kind of is not designed to be tailored to, but kind of fits that role nicely. But donc il n'a pas été designé spécialement pour les pirates, mais c'est vrai qu'il fonctionne bien. Is to stop players from either pulling them out of quantum travel or preventing them from entering quantum travel and quantuming away. So for the lawful player, it's really to stop any players that you may consider a criminal, or that the game has determined that you're a criminal by your criminality stat. Mm-hmm. Donc en gros, ce qu'il explique, c'est que le... je vais l'appeler le QED. C'est le QED. C'est le système en fait qui est à l'arrière du Mantis, en gros, hein, la bubule qui empêche les voyages quantiques. Pour les gens qui voudraient respecter la loi, en gros, ça empêche les gens de partir en quantum, et ça les sort du quantum aussi. Donc si vous, admettons, je sais pas, vous êtes bounty hunter, ou vous voulez faire de la patrouille, ça peut aussi vous servir justement à empêcher un criminel de partir, de s'échapper, afin soit de l'attraper ou de l'abattre. Donc c'est une mécanique qui peut servir aussi du côté de la loi. Prevent them from escaping. Either out to another area, or just away from you, or away from the particular lawful zone that they happen to be occupying at the time. So you're kind of acting like security forces, or voilà, c'est vraiment si vous avez envie d'agir comme une force de sécurité et que vous voulez un peu sécuriser une zone, quoi. And make them pay for their crimes. When I was asking around to a couple other designers, working on other systems, I got answers such as the team working on bounty hunting
is excited about the possibilities. Donc, apparemment, of, en fait, les équipes justement qui bossent sur la chasse à la prime, par exemple, sont super contents de cette mécanique-là parce qu'ils pensent que c'est quelque chose qui peut vraiment être utilisé. Right, right. So like that bounty hunter, and of course. When I talked to Dave Haddock, he mentioned that in the lore, I mean, RSI is a major military contractor. RSI is the maker of the Bengal carrier, for instance. So they definitely have their military contracts. Oui, and that the Mantis effectivement, was RSI, en fait, ont des contrats militaires, puisque ceux qui ont construit le Bengal, sure, par exemple, pour l'armée. In their efforts to donc, c'est des vaisseaux qui peuvent construire justement pour l'armée. Il ne faut pas se dire, tiens, ça a été construit pour les pirates, c'est bizarre, comment ça se fait que racisme a fait ça. Device on while they scan you, or else your criminality stat does rise. Yeah. And current marketing. D'accord. Et il y a Kirk qui vient de faire une petite précision, c'est que si jamais il y a une patrouille qui vous arrête, qui vous sort de Quantum, il faut pas que vous ayez votre appareil allumé, sinon ça va faire monter votre niveau de criminalité. Donc faites bien attention à ça. Et pareil, dans le jeu, pour l'instant, personnellement, j'ai fait un test près de Port-Olisar. J'ai testé le Mantis et j'ai fait une charge du CUD. Et du coup, ça m'a fait monter le niveau de criminalité aussi. L'appareil à l'arrière du Mantis, le QED. L'espèce de machin qui fait la sphère rouge. Mantis in our fiction is towards militias and stuff. We've had the UE mobile the militia initiative before. This is just one more thing like that to provide the ship to militias who are trying to defend outposts that are maybe on the outskirts of UE space. Donc voilà, ça aussi c'est quelque chose qui peut être utilisé en fait pour les ministres qui veulent défendre des avant-postes Chris, en dehors des autorités de l'UE. The thread was actually one for you, and I was really impressed. The RSI Mantis. Which, if I'm allowed to have an opinion, I absolutely love the look of. Does seem like it's a bit of a design language departure from other RSI ships. Am I right in that? Are they right in that? And if it is this the future of RSI ships? Is just an aberration? What are we talking about here? Alors, la question, c'est le Mantis, en fait, un design très particulier. Par rapport aux anciens vaisseaux RSI, donc même s'ils gardent un peu les règles, c'est-à-dire le cockpit en pointe et les réacteurs, il a un design qui est à part de ce qu'on a pu voir pour l'instant chez les vaisseaux RSI. Donc la question c'est, est-ce que c'est quelque chose de voulu? Est-ce que c'est un nouveau départ pour les vaisseaux RSI? Est-ce qu'ils vont tous être comme ça à l'avenir? Ou est-ce que c'est juste un design particulier spécialement pour le Mantis? Il y a Jared qui rajoute que lui, il aime d'ailleurs beaucoup ce design-là. Et je vais rajouter mon point de vue par la même occasion. Personnellement, je le trouve dégueulasse. Ça m'arrive pas souvent, mais je le trouve immonde, le Mantis. Je trouve qu'il ne marche absolument pas à aucun moment, quoi. Je sais pas. Alors comme dit, c'est mon point de vue, hein, je vais pas dire qu'il est raté, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui l'aiment beaucoup, mais je trouve qu'il est trop petit, je trouve qu'il est insipide, je trouve qu'il fait tasser, je trouve qu'il manque des moteurs à l'arrière, enfin je sais pas, je l'aime absolument pas. À l'intérieur, je trouve qu'il fait vide. Je sais pas, j'ai l'impression de voir un prototype personnellement. Je ne l'aime absolument pas. C'est un con écrasé. Donc perso, je le trouve trop proche des autres RSI. Mais c'est marrant parce que j'aurais tendance à dire pareil et en même temps pas du tout. C'est-à-dire qu'il est trop proche des autres vaisseaux RSI parce qu'ils ont mis trop de règles dans le design RSI, je pense. Et en même temps, pas du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les barres sur la vitre comme il y a d'habitude. Je sais pas. Enfin, voilà. J'ai pas accroché, moi, personnellement. Well, I wouldn't say it's necessarily a departure. We really don't have that many RSI ships in the game. C'est pas un nouveau départ au niveau du design. I mean, the Aurora, we have... Donc, il disait qu'il n'y a pas beaucoup de vaisseaux, en fait, pour l'instant, RSI. What's the third one? Constellation.
Constellation. Il y a le Constellation, il y a le Bengal, il y a le Aurora. And those are all like very military style ships. Et donc c'est des vaisseaux très 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 militaires. Is a little bit sleeker. It was designed by a different person, et Alex. Celui-là est un peu plus one of our quoi, concept artists. Yeah, we had him on the show last week. Et donc ça, ça a été fait really par un nouvel like artiste. His stuff a lot. And I think it's, you know, it's kind of like a car manufacturer, you know, like that builds different cars. They don't all look the same, donc but they do share. Donc c'est un peu comme like, les constructeurs de voitures en fait. So if you look within the Mantas, you will see similarities or RSI language, donc, you know, so to y say. Y le langage RSI, like the inside cockpit, columns of the ship, for example, moteurs, are very much etc. like the ones on the Constellation. Mais the front window even kind of echoes that language style. Auparavant. So yeah, I wouldn't say it's a departure, but it's just like a different ship in the series. C'est trop Star Trek. Star Trek, je sais pas. Je savais pas dire. Je connais pas ces Star Trek. Un peu peut-être. À cause du côté Enterprise avec les moteurs. We've had conversations offline before. I'm a big fan of the visual look of the. J'aurais été très fan. I think it was pretty successful. It's very strong. The overall design language. It's well thought out. And I mean, I wouldn't be surprised if we definitely like in like some of the medium to small ships, maybe even some of the biggers, we'll see some echoes and of the style of the Mantis and some of the future RSI ships. Yeah, I'm legally obligated due to a YouTube comment to say that my Jared est obligé à cause des commentaires YouTube que son vaisseau préféré c'est le Karak. At the moment is the Mantis. Mais il y a encore une demande. All right. Et when the quantum enforcement drive. Chris expliquait aussi que il y a de fortes chances que les futurs vaisseaux prennent un peu du Mantis, pas forcément dans son design tel qu'il est, mais des nouvelles approches en tout cas qui ont été faites. The quantum enforcement drive is exposed when it's in use. We've seen it in the trailer. It opens up, exposes the drive. Donc l'appareil de sub-target the actual quantum enforcement drive in the Mantis. Donc le QED quand il est en utilisation, il est ouvert. Donc il est à vue. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelques images, mais en gros, quand vous l'activez, une trappe qui s'ouvre. Et on voit l'appareil. Et la question c'est est-ce qu'on va pouvoir sub-target, donc est-ce qu'on va pouvoir sous-cibler cet appareil spécifiquement pour le détruire. Bonsoir, Fofan la Tulipe. It's actually a quantum enforcement device. But the we can't currently target it. Donc, pour l'instant, on ne peut pas. We are exploring ways in which. Donc en fait, ils sont en train d'explorer des façons de faire QED pour que ce soit possible. In particular, and you know, keep hitting it till destroy it, and then it will disable the device. That is something we're looking into. That is not currently available in 3.7, but alors c'est marrant parce que lui il parle de le désactiver, pas de le détruire, c'est assez rigolo. Mais en gros, ils explorent quelques voies pour qu'on puisse le cibler spécifiquement le QED et qu'on puisse du coup le désactiver de cette manière-là. Pour l'instant, c'est pas possible. We're hoping to be able to make that a reality soon. Ils espèrent pouvoir le faire bientôt. Subsystem targeting. Sure. Right. And because it's an external item, so one of the difficulties in the future, in the very near future, is going to be a concept that we want to introduce, which is being able to sub-target internal items, things like power plants and shield generators. Alors, and the like. Donc là, Kerr qui est en train de parler d'un truc qu'ils ont abordé dans des Inside il n'y a pas très longtemps. C'est qu'il y a une technologie en fait qu'ils sont en train d'essayer de développer. C'est la possibilité de cibler des objets qui sont à l'intérieur des vaisseaux. Et d'une certaine manière, le QED, c'est ça. Parce que c'est un ensemble de choses en fait. C'est-à-dire que ce qu'on voit à l'extérieur au final, c'est que les bras qui génèrent l'espèce de distorsion, mais c'est pas l'entièreté de l'appareil. Il y a aussi des composants à l'intérieur. Et donc il y a cette technologie qu'ils sont en train d'explorer et qui devrait changer pas mal de choses. Mais ça, il faut attendre en fait qu'on puisse avoir donc le système de ciblage qui change. Et il faut qu'il y ait aussi le système de soft body pour qu'on puisse faire des trous en fait à l'intérieur des coques et détruire les composants à l'intérieur des vaisseaux. The differences between how we actually physicalize items on the exteriors of ships and the interiors, excuse me,
However, because this is an external item, that should be something that we can solve for the QED. Voilà, donc en fait, il explique qu'il y a aussi la différence, effectivement, la façon dont sont conçus les composants, quand ils sont à l'intérieur ou à l'extérieur, la façon dont ils leur donnent une physique n'est pas la même. Pourquoi, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je sais, c'est que voilà, c'est pas la même chose. Il y a John Crew qui en avait parlé il n'y a pas très longtemps par rapport au module à l'intérieur du Vanguard, par exemple. Ou du Retaliator, où il expliquait qu'en fait, dans l'absolu, il pouvait faire en sorte qu'on puisse changer les modules et ce genre de choses, mais que ça les rendait inutilisables. Donc, Kurtom concluait en disant que, comme c'est un objet extérieur, il pourrait peut-être résoudre le problème plus vite que s'ils attendaient la technologie pour les composants internes. We, since item 3.2.0, we've had everything basically be componentized. So the health, the physics, is as long as you strap them onto these items, like this QED device, it will function. It's just we have to add in those extra bits to make them, you know, if the health's low, it has to do this behavior. Right. Et alors so, là, du coup, Marc, en fait, il explique que depuis le système d'objet 2.0, donc qui date hein, maintenant, ils ont tout ce qu'il faut en fait pour faire fonctionner les composants. Donc, il suffit de mettre un niveau de vie, la physique, le fonctionnement, etc. Par contre, ce qu'ils doivent rajouter pour l'instant, c'est les différents comportements que les composants doivent avoir si leur vie est basse, par exemple. Genre, je suis désolée, j'ai le nez qui me démange un peu, excusez-moi. Donc, je disais, si la vie de l'objet est basse, ils doivent ajouter un nouveau comportement, et tout ça, c'est des trucs qui doivent encore être créés, qui ne sont pas faits pour l'instant. Bonsoir Mac, bonsoir Oxy, bonsoir à tous, j'essaie de suivre, mais ma connexion est trop instable. Alors, tu vas perdre un viewer là tout de suite, mais je regarderai ton playback demain, alors fais comme si j'étais là. Bonne trad, et encore merci. Merci à toi, Kamakogel, je suis vraiment désolée pour toutes les personnes qui rencontrent des problèmes par rapport aux connexions. Je suis sincèrement désolée, malheureusement, ça ne dépend pas de moi. Comme je ne suis pas partenaire Twitch, là je suis juste affilié si je dis pas de bêtises, je ne peux pas vous laisser le choix de la connexion. Il arrive que quand il y a très peu de monde sur Twitch, vous ayez la possibilité de le faire, mais par contre quand il y a du monde, malheureusement je ne suis pas prioritaire. Donc il va falloir attendre que la chaîne soit un peu plus populaire et qu'on ait un peu plus de monde pour que ce soit disponible. Voilà, je vous présente toutes mes excuses, malheureusement je ne peux rien faire pour ça. Voilà. Of course, every time we do the tier 0 requirement, we want to get the base functionality in, and then donc add voilà, in those chaque fois extra qu'ils font bits. Un tier 0, en fait, so ils mettent les fonctionnalités de base and then pour allow que ça fonctionne. The sub-targeting system to target it, and then you can shoot it. Et ensuite, ils ajoutent justement de nouvelles fonctionnalités, comme par exemple la fonctionnalité de add in those extra bits where we notify you that, oh, your device got hit, and it's so the gameplay changes about it. So après, comme elle vient d'être live, la 3.7, c'est possible que tu aies des petits drop rates. Il faut attendre un peu et ça devrait se régler. And add those behaviors onto it before we release it. Yeah, we want to complete the gameplay loop for that. Yeah. Because yesterday, donc voilà, en actually, gros, ce qu'il doit faire, c'est compléter la boucle de gameplay avant de pouvoir mettre ça. Il n'y a pas... ils peuvent pas mettre une seule chose à la fois, ils peuvent pas mettre une nouvelle fonctionnalité seulement à la fois. Merci, merci beaucoup Kazito Kazi, merci énormément pour la donation, 20 euros, merci énormément du fond du cœur. Je mets pause, j'en profite pour remercier tous les gens qui sont là et qui me soutiennent au fil du temps. Si je continue, si j'ai la force de continuer, c'est grâce à vous. C'est toujours un plaisir de faire ça pour vous. Merci beaucoup Kazito Kazi pour la donation. Merci du fond du cœur. C'est extrêmement important pour moi. Feel very godlike in the midst of the QED firing. So it's pretty cool, but yeah, we need to make sure that all aspects of the gameplay work before we release it. All right. I'll have some of what you're having. Donc voilà. Yeah. Quand will we be rings.
qu'ils rajoutent un nouvel objet qui fait un tier 0. Il y a une différence en fait entre la partie design, où souvent tout le design a quasiment déjà été fait, même s'il y a des choses à explorer encore. Et il y a la partie codage, il y a la partie conception. Merci Fonfon pour les cheers, merci beaucoup, merci énormément. Et donc du coup, la première implémentation qu'ils font, ils font avec ce qu'ils ont sous la main, ce qu'ils ont déjà pu créer. Et ils gardent les autres objectifs pour plus tard, parce que des fois c'est dépendant en fait des technologies qui elles ne sont pas encore créées. Donc du coup, le fait de mettre ça plus tôt, ça permet de déjà voir ce qui marche, ce qui marche pas, et du coup d'ajuster le développement en conséquence. Et le reste des fonctionnalités, ils attendent que tout soit mis ensemble. Là par exemple le sub-targeting, il faut attendre qu'il y ait d'autres boucles de gameplay. Donc comme disait Mark Abon, le comportement du composant par exemple. Ensuite peut-être les fusibles, pour que le joueur à l'intérieur du vaisseau puisse courir, changer les fusibles du composant en temps réel, parce que justement si on laisse le joueur adverse tirer sur le composant directement, mais qu'on n'offre pas de possibilité au joueur dans le vaisseau de réagir face à ça, on arrive à un déséquilibre, et ça c'est un problème. Donc c'est pour ça que des fois, entre un tiers 0 et un tiers 1, on peut avoir beaucoup de temps, parce qu'il faut attendre que tout soit prêt avant d'être en jeu. Désolé, c'est un peu long, mais... Will we be able to detect and track ships traveling at quantum speed from enough distance and with enough accuracy? Est-ce qu'on sera capable de détecter des joueurs qui sont en camp, qui travaillent depuis suffisamment loin, et de pouvoir savoir quand les piéger, justement? We do, donc, la réponse de Kurtom, c'est pour l'instant non. To, predict where players travel from quantum point to quantum point in the future. Obviously, that's the most effective way to utilize the QED. So some of the things that we're thinking about are perhaps introducing things like heat maps into the star map. Alors, donc, c'est quelque chose qu'ils aimeraient faire pour le futur, parce que forcément, c'est la meilleure façon d'utiliser le Mantis, évidemment. Donc, ce qu'ils envisagent de faire, éventuellement, c'est une route des températures sur la star map. Donc en gros vous verriez des dégagements de chaleur sur la carte qui vous permettraient de traquer des joueurs. So the most traveled quantum travel lanes. Donc, voilà, ça vous permettrait vraiment d'avoir les zones les plus utilisées. You know, maybe the glow for that indicates the précision. Ce que Kirkton est en train de dire, c'est pas ce qu'il va y avoir en jeu. Il est en train de faire des suppositions sur des gameplays possibles. Donc ce qu'il est en train de dire, c'est à prendre avec des pincettes. The most used lanes becomes brighter as you, donc voilà, par exemple les routes les plus utilisées deviendraient un peu plus brillantes que les autres. On some kind of electronic map, you see where people travel the most, so that you can do what we talked about, which is basically one analogy for the QED was that you're fishing. So you'd have these strings that represent des analogies pour le QED chez eux, ça a été la pêche. Donc en gros, c'est vous auriez une rivière avec un banc de poissons, et si vous mettez votre hameçon au bon endroit, en gros, vous pourrez choper une proie. Quantum travel paths, and you're setting up like a net, and so you want to know, hey, where is the most effective place that I can set up these quantum enforcement or quantum snare volumes, so that I'll have the best chance of actually entrapping people. Voilà, ça permettrait de savoir quel est le meilleur endroit pour vous pour placer le Mantis, là où les chances sont plus élevées de réussir bien. So that we can detect players at further distances than we can currently. That way we can actually not only perhaps increase the distance at the which the QED or the quantum snare is most effective, but also allow you to know where they are when you do pull them in at those larger ranges, because... Alors là c'est un petit peu complexe, mais en gros ils veulent aussi augmenter la distance à laquelle vous êtes capable de détecter les joueurs, et d'augmenter du coup la distance d'efficacité du QED, qui est de 20 km
Actuellement, ça a été corrigé. Par rapport à la première interview de John Crowe là, qu'il y avait eu sur un site, j'ai plus le nom. Il parlait d'une distance plus petite. Là, la dernière distance qui a été donnée sur la page du concept, c'est 20 km. Et donc, du coup, ça vous permettrait de savoir où sont les joueurs par rapport à ce piège. Apparemment, c'était une idée de montrer les routes sont utilisées comme une traînée d'énergie. Ben, je rajoute mon petit commentaire là-dessus, c'est que voir les routes par rapport à la chaleur, les espèces de traînées qui resteraient, ça me dérange pas trop. Par contre, voir les joueurs, c'est quelque chose qui m'embêterait fortement. J'ai vraiment pas envie qu'on puisse voir où sont les autres joueurs. C'est une idée qui me plaît pas spécialement. Right now, the way we're doing our client streaming, the device doesn't allow us to get much further than we have streamed into the client. And so these are things that we'll need to experiment with and figure out what's going to be most effective for not only the gameplay, but how to communicate that to the player. Le truc un peu complexe, là, en gros, c'est que pour l'instant, ils sont capables de définir le trajet d'un joueur d'un point A à un point B. Donc, ils peuvent éventuellement extrapoler la position d'un joueur sur cette route. Mais la façon dont ils streament le quantum sur le client ne permet pas vraiment de donner aux joueurs les informations nécessaires pour suivre un autre joueur. C'est quelque chose qui pour l'instant est assez compliqué, en tout cas sur une longue distance, c'est quelque chose qui serait assez compliqué de faire. Right. So you're referring to when things are called out after they travel a certain distance away. Oui, voilà, j'arrête d'utiliser un très bon mot, c'est right. C'est que les objets sont called out. C'est-à-dire que en fait quand ils sont trop loin par rapport à vous, en gros c'est comme s'ils n'existaient plus. D'ailleurs ça a été même c'est le principe même du de l'OCS qui permet justement de décharger vachement la charge qu'il y a sur votre ordinateur, et c'est pour ça qu'on a de meilleures performances, c'est pour ça qu'on peut jouer tout simplement en 3.7. Donc le truc, c'est qu'il faut avoir une façon de savoir ce que font les PNJ ou les joueurs en dehors de cette distance-là sans les garder dans le jeu. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire parce qu'il faut pas juste augmenter la distance, sinon on remet une charge de dingue. Et je pense que Marc va en parler, donc je vais le laisser s'exprimer. We have client-side streaming, and if a vehicle is not within a certain range, we stream it out. Now, if you're a player, you'll always be streamed in on the server. You'll always be there. Donc voilà, c'est ce que je disais pour le PNJ. Player, par contre, si vous êtes un joueur, vous êtes tout le temps streamé sur le serveur. We enable server-side streaming. And that brings some problems because... Mais par contre, en fait, quand il y aura le server-side OCS, à ce moment-là, même les joueurs seront called out, donc c'est-à-dire qu'ils seront sortis, en gros, de vos informations. Donc pour l'instant, c'est cool, avec les joueurs, on peut le faire. Mais quand il y aura le server-side OCS, ce qui est l'objectif, ils ne pourront plus le faire. Donc ils doivent trouver une autre solution. Because right now, we're kind of accounting for all the things to be there when we interdict and when players are detecting things on the radar to be there on the server. But if they're not there because things are streaming out, we now can no longer rely on the dedicated server, which means we won't be able to know where people are traveling towards unless they're a real person. This is where we want to kind of move stuff out of the dedicated server into maybe more of the back end. So right now... Ok, donc ce que Marc est en train d'expliquer, en gros, c'est qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas se permettre, par exemple, d'avoir un serveur dédié justement uniquement pour garder les routes ou ce genre de choses. Donc entre joueurs, ça pourrait encore se démerder dans une certaine zone, mais pas tant que ça au final. C'est-à-dire que ouais, dès que les joueurs sont en dehors de votre champ d'action, vous pourrez plus savoir ce qu'ils sont en train de faire, donc ils peuvent pas compter là-dessus. Ce qu'ils espèrent faire,
c'est déplacer les informations vers ce qu'on appelle le back-end. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez ça? Alors, je vais utiliser une analogie qui n'est pas la bonne. C'est vraiment pas la bonne. Hein. Donc, pour les gens qui savent ce que c'est le back-end, me jetez pas des pierres. Mais imaginez que c'est un peu comme votre RAM, du coup, en fait. Ça leur permettrait de pas afficher les choses, mais de les garder dans un coin, de garder plus que le calcul, en fait, en gros. De transformer ça juste en données, et de conserver ces données-là, et de les réutiliser quand il y a besoin, en fait. Donc, en gros... si vous, à un moment, vous placez avec le Mantis et que vous lancez votre QED, ben là, à ce moment-là, le serveur et le client utiliseront ces données pour savoir qu'est-ce qui est dans votre zone ou qu'est-ce qui est en train d'arriver pour prédire le trajet des objets et à ce moment-là, faire sortir un vaisseau de Quantum s'il est censé y être. Et du coup, ça permet d'améliorer grandement les performances, puisque on n'a plus besoin que les choses soient forcément en jeu, rendues et même proches de vous. Donc ça, c'est quelque chose qui est une solution qui est vraiment pas mal. Now, the quantum drive just fully functions on the dedicated server because players will always be around, so it's kind of cool. But if we ever have to do any kind of interdiction or we want to see like trace points of where things are, we kind of have to know what they are to report to the clients. And that gets difficult if you want to then report some of that stuff to the back end. So there's been some talk about how can we rearrange some of this data. Maybe we could put some of that information about how we're jumping to the back end, so then we could be aware of all the players on the server. So, you know, it's also going to get more and more challenging as we add more players into a server. Ouais, donc Marc explique que même par rapport à ça, il y a quand même des problématiques sur le fonctionnement qu'ils ont pour l'instant. Donc ils doivent trouver des solutions pour utiliser ça. Donc par exemple, la façon dont ils calculent le quantum travel devrait changer et les informations devraient justement être envoyées vers le back-end. Ce qui ne peut pas se permettre de demander à tous les objets où est-ce qu'ils sont quand quelqu'un fait ce qu'on appelle un appel. We're going to relay the information between the server, the backend, and all the clients, so we could get that information where I could pull up, you know, a heat map or something to see where all the players have been traveling, rather than going through. Alors, bonsoir. Je doute de la faisabilité de gérer les PNJ sans serveur dédié, car cela reviendrait à dire qu'ils sont gérés comme les trams sur base d'un horaire. Mais après, c'est ce qui était prévu. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils avaient évoqué. Quand il parlait du système subsumption, il parlait justement d'utiliser des routines sur des bases de 24 heures pour pouvoir justement utiliser du back-end et donc un système de données pour ne pas avoir de serveur dédié. Donc je ne sais pas si c'est d'actualité, si c'est encore ce qu'ils veulent faire ou s'ils ont changé d'idée. En tout cas, à la base, c'est ce qui avait été évoqué à l'époque. Il y avait des interviews de Friermuth sur ça, justement. Il en avait énormément parlé. Je sais plus quand date la dernière. Je me demande si c'était pas la CitizenCon de l'année dernière. J'ai un petit doute. Il faudrait regarder. J'ai plus en tête quelle vidéo c'était. Mais il expliquait que voilà, le système subsumption, donc la gestion des PNJ, était censée être justement des bases horaires, et donc de pouvoir prédire où sont les PNJ à tel ou à tel moment. Every quantum drive and go, hey, je ne sais pas si c'est le mieux ou pas, here? Are you traveling here? En tout cas c'est ce qu'il prévoit de faire. Have, especially, like right now it might be okay because we have only a few, but if you want a server with thousands of players, you can't do that. We need to rely on like the servers and the services more. And once we are finished with like systems, these underlying systems, you know, how much fun would it be to actually bring up the star map and you see all these paths and then you actually see maybe dynamically where everyone is, and especially the ones that are actually quantum traveling
and where the Non, ça je veux pas. Donc oui, il y a Kirk qui explique qu'effectivement, comme dit, c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir ces fameuses routes, comme il disait tout à l'heure, les routes de chaleur, on verrait les passages un petit peu de tout le monde. Alors lui, il dit carrément voir les gens. Moi, j'aime pas trop cette idée-là, mais effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être fun d'avoir une espèce de toile d'araignée en temps réel de tous les trajets qui sont effectués. Determinations of where you want to park the mantis and actually activate the quantum enforcement. Yeah. It's one of the commonalities we face whenever we do tier zero implementations. Tier zero implementations of game features are almost always dependent on the what's available in the game right now. You know, donc j'arrête d'expliquer que justement le tier zéro dépend complètement de ce qui est disponible actuellement en jeu. Feature, en fait, ils ne peuvent pas faire des choses dans le futur. Malheureusement, ils sont dépendants des techs qu'il y a à l'heure actuelle. Mais c'est pour ça qu'ils font le tier zéro aussi, justement, pour qu'ils puissent mettre la matière. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup d'options ahead of us pour en avance. Pour this to grow in the future. Sure, absolutely. Although, were there any changes to quantum travel? Were there any changes to how quantum travel works? Because quantum travel has worked one way up until this point, and I understand from conversations I've been having that there were some changes to the way quantum travel works itself sur la façon as dont a le result quantum of travel this new feature online. What can you tell us about that? Yes, that's correct. We had to update the back-end services with the trajectory. Constantly, if you allow me to say this word. Ok, donc ils ont dû justement faire une mise à jour du back-end pour gérer les trajectoires de Quantum. Enforced by another player, so we have to track both the position of the player who are activating a quantum snare and the player who are quantum. Parce qu'en fait, ouais, c'est ça. Ils sont obligés aujourd'hui de traquer deux positions en même temps, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de traquer la position du joueur. Qui déclenche l'appareil et la position du joueur qui est en quantum et qui pourrait potentiellement se faire arrêter. Donc ils ont dû changer la façon dont leur système de quantum fonctionne. This was basically the main challenge in this development cycle that we had to tackle. It was a lot bigger too because like a lot of the work that you had to do is in the beginning when you did quantum drive for like the longest time since we've had it, the moment you activated the device was when we determined if you were going to get interdicted or not. And I know some players use that to their advantage because that's when we streamed in the mission and they could go, oh, I could cut off my device and not get interdicted. Oh, Mark's giving away secrets here. We know that trick now. Yeah. Ok, donc il y a Mark qui fait une petite blague. En fait, la façon dont fonctionnait avant le système, c'est que quand vous enclenchiez votre moteur quantique, c'est à ce moment-là que le système de mission allait déterminer si vous alliez vous faire arrêter ou non. Et donc, l'astuce que beaucoup de joueurs utilisent, c'est de couper le moteur pour empêcher l'interdiction. Et il y a Marc qui fait un petit clin d'œil au joueur en disant « On est au courant de ça, on sait ce que vous faites maintenant, on connaît l'astuce. » Donc, mais c'est assez rigolo. Merci Zeus pour l'abonnement. 6 mois de suite. Merci beaucoup. Énormément. Merci pour ton soutien indéfectible. First. qu'est-ce que je veux dire ? Mais ça montre que les développeurs ne sont pas toujours au courant ou n'envisagent pas toutes les possibilités. En tout cas, là, effectivement, ils se sont dit bon, bah, allez, on fait un appel de mission. Au moment où les joueurs lancent le moteur quantique, ça détermine s'ils sont arrêtés ou pas, et point. Et ils pensent pas forcément à une manière d'esquiver ça. Parce que leur but, c'est de construire le jeu, pas de le casser. D'ailleurs, c'est pour ça que justement le Q&A est très important. Parce que le but du Q&A, par contre, lui, c'est de le casser, le jeu. Yeah. So now, other than j'essaie de moins arrêter le live, on est déjà some une of the work heure. Aldo did was, laisser filer well, un peu what plus. What did you do to fix that? Oh yes, we had basically to send constantly messages to the back-end services. We had to tweak the probability of being interdicted by an environmental mission. And we basically had to run this sort of prediction of the trajectory to have the back-end services. Donc en gros, voilà, ils ont dû faire des changements au back-end, c'est-à-dire la façon dont ils calculaient le pourcentage de chances que vous fassiez arrêter. You know, before you
had the jump. Maintenant, il y a un système de mission cool. dans le back-end et pas now, par rapport aux actions. Now, since we have player devices, they could just turn it on, but we still wanted you to get interdicted through that travel. So some of the work that you had to do was, like, as you're traveling, now we send consistent messages with your prediction model to see how far out or if you would get interdicted. D'accord, donc en gros, maintenant pendant votre trajet, en fait, en permanence, ça me paraît très coûteux sans ressources, mais en permanence, en fait, il y a des appels qui sont faits pour savoir si vous allez vous faire interdire ou pas sur cette route précisément. We want to give you that you're about to be interdicted, but if someone just pops up a quantum interference device right in front of your face, there's only so much time we can give you before you're smacking right into it. And get out of the predicted where you should get out of the quantum travel in the exact position. Yeah, we had to do a little bit of math for that. Yes, just a little bit. Do you want to talk about how maybe some of the difficulties came from how fast quantum travel actually occurs, and then the fact that the quantum travel path isn't always a straight line. Correct. Yes, the spline quantum traveling thing. When you travel on the surface, the predictive model needs to be a little bit more complicated than. D'accord. Ouais. Non. En fait, là, ils sont aussi en train de parler du fait que. Là où ça a été compliqué, c'est que si un joueur allume un cube juste devant vous, avec la façon dont c'est calculé, ça n'allait pas forcément vous arrêter parce qu'il y a le temps justement de calculer la trajectoire, la distance à prendre en compte, etc. Enfin, il y a plein de choses qui faisaient que ça n'allait pas forcément vous arrêter. Et il y a aussi le fait que les chemins quantiques ne sont pas forcément toujours tout droits, puisque autour des planètes, ce n'est pas une ligne droite, c'est courbé. Et donc, ça demande des calculs beaucoup plus compliqués que si tous les quantums étaient super droits. So if I'm traveling and I'm going from point A to B, it will look like I'm in a straight line. But the moment you hit one of those planets that orbit, from your point of view, you're going in a straight line. But from like another person's point of view, you're actually orbiting around because as you orbit, you're traveling toward the planet. So the back-end services don't know anything about zones or this orbital rotation. Donc là, il y a Marc qui explique des trucs un peu intrigants. Je remets pause. Il explique qu'il y a un problème de relativité aussi en fait par rapport au quantum, c'est-à-dire que vous, quand vous faites un quantum, pour vous c'est une ligne droite, alors que par exemple pour un autre joueur, en fait vous faites un trajet autour d'une orbite. Et alors ce qui m'étonne, c'est qu'il disait qu'on passe à travers la planète. Ça, j'ai du mal à comprendre. Je sais pas si j'ai mal compris. Et le back-end en fait que eux utilisent ne c'est strictement rien de tout ça. Il n'a pas de notion de zone, d'environnement ou de choses comme ça. Et donc ça peut rendre les choses difficiles justement par rapport à l'interdiction. That Aldo had to do in this was not only send the information in world space to the back end. Donc ils ont dû envoyer ces informations justement du monde au back end during that rotational. And I know that's ongoing work. Ils ont right dû envoyer justement la position pendant cette rotation autour de la planète. The, the sampling, because you're sending what the I think it was like every 2 seconds, roughly. Roughly. And then the back end does like a smooth interpolation, but there was a problem with that because our quantum drive does fourth order motion where it does velocity. Acceleration and jerk. Yes, the rate at which acceleration change when you jump. Yeah. Yes, that causes complications. Ok, d'accord. Donc là, ça devient vraiment très compliqué. Salut Polymorphal. Le problème qu'ils ont rencontré, c'est que eux, pour suivre la position du joueur, ils font un tick environ toutes les 2 secondes. Donc ce qu'on appelle un tick, c'est une vérification, quoi, en gros. Ils font un tick toutes les 2 secondes pour connaître la position du joueur. Le problème, c'est que quand vous lancez un saut quantique, votre vitesse n'est pas linéaire, puisqu'il y a une accélération qui se fait au début, jusqu'à atteindre un point où là, la vitesse devient constante, et après, elle re-ralentit quand vous arrivez près de votre point. Et donc, eux, comme ils font un tick toutes les 2 secondes, ça veut dire que le back-end, entre ces 2 secondes, il fait une extrapolation de votre position entre ces 2 points. Et ça, c'est quelque chose qui ne va pas du tout si l'accélération n'est pas linéaire. Parce que ça veut dire que votre position est fausse.
à ce moment-là. Et donc, ils ont dû trouver une façon de calculer qui permette de faire une extrapolation avec ces vitesses qui changent. Et je peux vous dire qu'en mathématiques, ça doit être un sacré casse-tête. The time that the back end gave us was a completely different position than where we thought we were going to get interdicted. Correct. So that's where the fun mats had to come in yes. and go. Voilà, well, justement, il explique que le back-end donnait des mauvaises positions par rapport à la position yes. réelle. You reproject the time in space, and that enables j'arrête the code to calculate where that point is in the correct trajectory of the quantum. Je pense qu'il est largué. J'arrête. And that's trigger the calculation to where you're going to get out of the quantum travel correctly. Mais so en gros, ouais, c'est là où il faut avoir quelques bases en mathématiques. We'll find out so, yes. Just to sum up some of the... Thank God I'm an artist. Okay, il y a Chris qui dit Dieu merci, one of the major changes we made is that before with the AI mission interdiction that occurred, you basically were we could calculate or predict where you're going to get stopped. Now we actually have to dynamically figure out whether you would get stopped, and when you actually enter the position that we predicted, whether the quantum snare volume is still active at the time. Right. So that was the major change that had occurred. Yes, that's correct. Yeah. And then... Donc voilà, il y a Kurt Homme qui rajoute un petit peu ça, ses 2 centimes. Je pense qu'il se sentait seul avec les 12 qui faisaient leur grosse tête. Il expliquait que voilà, avant justement, il pouvait te prédire très facilement où est-ce que vous alliez vous faire arrêter. Et là, le changement qui a été fait, c'est... J'ai perdu le fil. J'ai complètement perdu le fil. J'ai réécouté ce qu'il disait. That's trigger the calculation to where you're going to get out of the quantum travel correctly. So we hope we got it right. That's we'll find out when see how players use it. Just to sum up some of the... Thank God I'm an artist. Well, to sum up, one of the major changes we made is that before, with the AI mission interdiction that occurred, you basically we could calculate or predict where you're going to get stopped. Now we actually have to dynamically figure out whether you would get stopped, and ils doivent le calculer de manière dynamique où est-ce que vous pourriez position that we predicted, éventuellement vous faire arrêter, et surtout prendre en compte. À quel moment le piège so quantique du mantis sera effectif à son maximum. Pourquoi il dit ça, en fait, Kurt Homme? Pourquoi est-ce que c'est important? C'est parce que on ne doit pas savoir si vous touchez le piège à un moment donné. On doit savoir si vous allez le toucher, parce que les choses ne se font pas exactement en temps réel, en fait. On est obligé de prendre en compte des calculs en préalable. C'est-à-dire que quand le joueur déclenche son piège, à partir de ce moment-là, il y a un calcul immédiatement qui est fait sur le temps que va mettre la bulle pour atteindre son maximum, quelle sera sa position à ce moment-là, et quelle sera votre position à vous. Et c'est grâce à ces données-là qu'on va savoir si on va vous arrêter ou pas. Et on est obligé de faire ces calculs-là en avance, en fait, parce qu'il y a trop de paramètres à prendre en compte pour pouvoir le faire en temps réel. On ne peut pas le faire vraiment un instant T, vous touchez, vous êtes sorti. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'ils ont besoin de prédire, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de faire tous ces changements sur le fonctionnement du voyage quantique. Je suis en train de me dire que sortir le quantum interaction avec les technoserveurs est assez risqué. C'est complètement risqué. Complètement risqué. Après, comme pour l'instant ils le font en localité, et comme pour l'instant on n'essaie pas de prédire tous les trajets des joueurs, c'est pas grave, parce qu'on peut le faire localement, et de toute façon pour l'instant l'OC serveur de toute façon est pas là, pas encore en tout cas, donc ça leur laisse aussi un peu de temps pour changer la techno s'il y a besoin. I was mentioning before where we want to move some stuff into the back end services. Well, we're bringing in some new technology to write our services in a way that's more focused in how the game objects work. And right now,
a lot of our backend services are written in like C# or some I forgot what the language is, but it's a whole different story. And it doesn't know how the game world works. It just makes some approximations. These new service APIs are very hooked into the game, and they know about. Donc voilà, il y a Marc qui rappelle en fait ce qu'il a déjà dit. En gros, c'est qu'avant le backend n'était pas connecté au monde directement. Ils utilisaient C# apparemment comme façon d'utiliser le backend. Et leur nouvelle technologie leur permet de lier le backend directement au monde et d'avoir du coup les données de position du monde. Rather than doing the side on the game to do these like ça en fait quelque chose de beaucoup plus précis. C'est plus une estimation, c'est vraiment les positions actuelles du jeu. Here's how we can solve it, and then when the newer tech comes online, we can improve it. Right, and then the improvements that Mark's talking about would maybe allow us to do longer range radar or longer range pings or just get ça m'intéresse. En fait, la nouvelle technologie de backend en fait leur permettrait aussi éventuellement d'augmenter la distance du radar et du ping. New technology once it will be available and it will enable also more feature and more power. Donc ça aura de l'impact sur beaucoup d'autres choses. And it moves. Everything moves. So Chris, I understand you have. Et surtout, je rajoute mon petit point de vue là-dessus. Parce que si ce système de back-end fonctionne, là où ça va être pratique, c'est que si vous faites un ping, le joueur n'a pas besoin d'être chargé sur votre partie. On s'en fout complètement, parce que le jeu prendra les données justement dans le back-end, et il pourra vous dire, il y a un joueur à tel endroit. Vous n'aurez pas besoin de le voir et de le rendre pour qu'il puisse être détecté, et donc effectivement, ça augmente la distance possible du ping en jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Bon, je suis désolée, je coupe beaucoup la vidéo ce soir, mais là on est sur des trucs assez techniques, donc je préfère le temps de vous les retranscrire correctement plutôt que de vous dire n'importe quoi. You have the yes. Mantis up in the engine right now. Let's go ahead and take a look at the ship itself. 3.7 went live this morning, and then the authentication server got hammered. So a lot of folks haven't been able to get in and take a look at it. So let's go ahead and take some time to actually look at the Mantis itself. It's and a beauty. Just awesome. You give us the Chris Smith tour. Okay. So yeah, all the technical talk on the ship, côté vraiment you know, it's trop funny loin, because actually visual, I mean artistically or as, you know, as a modeler, the ship was actually very simple to make and very straightforward. Okay, donc d'un point de vue there wasn't a lot of crazy technical. J'ai pas envie d'utiliser le mot modeler, je le trouve pas joli, mais j'en ai pas d'autre qui me vient à l'esprit. D'un point de vue design, en tout cas pour les créateurs 3D, c'est un vaisseau qui a été plutôt simple à faire, puisqu'il a des formes simples en même temps. Donc effectivement, il n'y a rien de fou, quoi. Cool challenges that I had to overcome with this one. There was one, but it's just back. All in the back end. Like this thing is causing a lot of, you know, is opening a lot of questions, I guess, I should say. But yeah. Donc apparemment c'est un vaisseau qui a posé beaucoup de questions au niveau justement des technologies, mais a créé du point de vue des artistes. C'était vraiment très 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 simple. And yeah, I just sort of had to make it pretty for in the game. That was my only job with this guy. Yep. So it's got a limited interior. It does have a limited interior here. Il y a un intérieur très limité. Ça, effectivement. L'ascenseur, je le trouve aussi très très moche. Je suis désolé, c'est pas pour charger, ce vaisseau me parle pas. Par contre, device which opened, l'appareil à l'arrière, pour moi, est une réussite. Une réussite absolue. Oh, la façon dont ça s'ouvre, la façon dont ça bouge, l'animation, les effets, tout ça fonctionne à la perfection. Je trouve ça vraiment très 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 beau. Et ça laisse présager de bonnes choses pour l'avenir des effets. It sort of has a minimal interior. I actually like this shot right here. Because it kind of looks like you're going into a big mouth. Comme dans Contact, j'aime ce système. I got a question for you, Steve. Steve, who's Steve? Chris, this comes right from the chat. Did you even consider struts? Yeah. Where are the struts? Et tiens, Chris? D'ailleurs, pour rendre hommage à Eno l'alcoolique, il y a des toilettes dans ce vaisseau. Think, chose très importante, il y a une machine à café et des toilettes. Over the years, évidemment, we've had some,
we've had some people complain about stress and stuff. So I think this is sort of came about to where a lot of the new designs were trying not to obscure the view so much, which wasn't considered with maybe some of the early concepts. I heard people were actually calling for more struts on this thing. They are. I'm looking at people in chat right now saying, bring back the struts. Yeah, we'll make a variant of it. Donc, OK, il y a quelque chose de très rigolo. En fait, il disait qu'ils essaient de ne pas trop obscurcir la vue des joueurs, comme il y avait pu y avoir, en fait, dans les anciens concepts, avec en tête le Terrapin, par exemple, qui a une vue catastrophique. C'est un vaisseau que j'adore, hein, le Terrapin. J'adore son design, le côté tortue, j'aime beaucoup, mais on voit que dalle, hein. Et donc, ils ont voulu améliorer la vue des joueurs dans celui-là, et paradoxe, les joueurs ont demandé à ce qu'il y ait plus de lignes dans le champ de vision. Et j'arrête de dire que même là, dans le chat, directement, les gens demandaient plus de lignes. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça ne fait pas RSI. Sinon. That specifically adds a bunch of struts in the front. There will be one foot across, right? Yeah. We can make that happen. We can add more struts. No, see, I'm saying chat says we want struts, more struts. The people have spoken. Yeah, well. Les gens sont jamais contents. Well, we can give them variant. That's, you know, that's what we do. Ils feront des variantes avec plus de struts. Very successful because it does have some struts and. Vous en pensez quoi, vous, dans le chat? Est-ce que vous trouvez que ça ressemble quand même au RSI, que ça suffit, ou qu'il faut absolument qu'il y ait vraiment des lignes droites RSI au millimètre? See some stuff. Personnellement, je pense que c'est bien qu'ils tentent des choses et que. Qu'on s'éloigne du cockpit, you know, traditionnel, ou qu'il n'y ait pas autant de lignes droites. No, it is. It's definitely an evolution of the RSI design language. It's still got the kind of c'est hexagonal suffisant shape. Pour moi, c'est bien entendu. Surtout qu'on peut se dire que the pylons in the back. On est aussi dans une évolution en temps réel, c'est-à-dire que l'Aurora, par exemple. Date maintenant d'il y a 6, 7 ans, 6 ans en gros. Le RSI date d'il y a 6 ans en gros. Donc une voiture qui date d'il y a 6 ans aurait déjà changé de design en fait par rapport à aujourd'hui, quoi. Si une voiture sortait maintenant, elle n'aurait plus le design de l'ancienne voiture. Et donc moi, ça me pose pas de problème, du coup, que les vaisseaux évoluent au fur et à mesure et qu'on ait ce côté l'Aurora fasse plus vieux que le Mantis. Moi, ça me pose pas trop de problème. La verrière en angle, c'est assez RSI. Ça choque sans ligne droite. Ah, donc toi, tu serais plutôt pour plus de lignes droites. Cela laisse penser qu'RSI, c'est créer des vaisseaux convenables. Bien joué, bien joué, bien joué. Ça c'est pour moi, d'accord. Yeah, and overall, like the detail is sort of military, utilitarian, but still a bit. Quand les lignes évoluaient, mais en fait, ça fait partie de la vie. On the cleaner side, maybe. Complètement. But yeah, we went through a few iterations of the inside, added a bed and a restroom to the guy, and of course, coffee machine. Everyone loves petite machine à café. And the food processor. Gotta have that. Le mixeur à bouffe. And actually, this seat was very reminiscent of the Constellation. It uses the same dual stick control. Has the same. Il explique que le siège est assez symbolique aussi, en fait, du Constellation. Il utilise les mêmes types, les mêmes panneaux, les mêmes joysticks, le système accroché au plafond. Il y a vraiment ce système. C'est cool. I want to race it. And it just looks fast. Yeah. They have been working on some color variants. Moi, ça me pose pas trop de problème, l'évolution. Je pense qu'il y a des vaisseaux qui doivent être retouchés quand même pour pas qu'ils fassent vraiment trop vieux. Well, like par exemple, justement, l'amélioration du Hornet, l'amélioration du Aurora, etc. C'est des choses qu'il fallait faire parce que là, ça faisait clairement jeu des années 90, qui était un vrai problème. Artist got an artist. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un équilibre qui n'est pas déconnant.
into the persisting universe. Dans le futur, la nourriture, c'est sauf 21e siècle, le café, c'est la vie. Je suis d'accord. C'est les interdictions à pas de canon de fou, ni un moteur de fou. Alors, en vrai, il n'y a pas de raison qu'il soit lourdement armé, ni qu'il ait des gros moteurs, puisque son but, c'est vraiment de stopper les autres vaisseaux, pas de les combattre. C'est un vaisseau qui est fait pour fonctionner en groupe, donc ce sera aux autres vaisseaux du groupe de faire le combat à ce moment-là, en fait. Je trouve ça plutôt logique en termes d'équilibrage, parce qu'on peut pas se permettre qu'un vaisseau soit super puissant, dans le sens où il vous sort de Quantum et il vous met encore plein la tronche juste après. Je pense que c'est vraiment un bon équilibrage. Étant donné que l'équilibrage, c'est l'appareil utilise tellement d'énergie qu'il ne peut pas utiliser d'autres systèmes à côté. Je pense que c'est pas déconnant. Reminds me of Star Trek in some way. Ah bah, il parle de Star Trek. Star Trek vibe from these nacelles here. What? It's kind of cool. So Jared est étonné aussi. C'est vrai que moi, je voyais pas le côté Star Trek non plus. And yeah, anything else you guys want to see? It flying in 3.7 live with everything up. They're working on it, guys. I'm still getting up. I'm still il getting manque une updates. Douche. On est censé camper longtemps et il y a de la place. Bah yeah, écoute, okay. Tu utilises les toilettes comme pédiluve. Par contre, les propulseurs sont officiels, c'est facile à faire tomber. Ensuite, le vaisseau devient une vraie brique. Souvenir de Laura. Effectivement, pour l'instant, il est un peu fragile. Je pense qu'il y aura des équilibrages qui sont faits. J'ai cassé le mien ce matin en deux secondes. Currently, criminality settings for utilizing the QED too near the jurisdictions that deem it a criminal. First in our court. Right. So if you do turn it on, you'll quickly notice that you'll get crime stat warnings. Okay. That's something that we Donc, want to Kirk explique que pour l'instant, si vous l'utilisez près des juridictions de lieu, donc Hearthstone, Arcorp, etc., vous aurez des crime stats your jurisdiction si vous that you're in will become a very important part of life in the stand system and in the star system. Et j'arrête d'expliquer que effectivement aujourd'hui regarder dans quelle juridiction vous êtes devient une part importante du gameplay. Know what's legal and not. Ce qui est légal ou pas. Star Trek, je vois pas le. Ah, il y a un côté vaguement Enterprise qui est deux réacteurs. You've now been interdicted. You've now been interdicted. Alors, si maintenant on se fait interdire. Can we fight back without triggering criminality for ourselves? Ah, yes. Alors ça, c'est une question qui m'intéresse énormément. C'est une question que je me posais et qui est très importante. Si on se fait interdire, est-ce qu'on peut riposter, tirer tout de suite sans prendre de la criminalité? Puisque c'est comme si quelqu'un vous braque un flingue sur la tempe. Si vous tirez, c'est pas vous le criminel, quoi, si vous vous défendez. En tout cas, on espère ne pas l'être. Et j'avoue que c'est une question que je me posais par rapport à ça. Et donc, Kirk explique qu'apparemment, on peut se défendre. So, you should be able to turn around and attack the person that has interdicted you. And to be honest, if you are a soul mantis that's doing an interdiction, it's kind of at your own peril, because we all know the Mantis is not the most heavily armed ship in our fleet. I was watching poor Detox try to take somebody out in a Mantis the other night, and it was not a pleasant sight. Yeah, so Donc Artom explique qu'on ne se prendra pas du crime stat, on pourra se défendre et tirer sur la personne qui nous interdit. Et il rappelle que interdire des gens avec un mantis en étant seul, ce n'est pas une très bonne idée. You'll want to have friends with you, unless you know you happen to pull a much smaller ship or a much smaller AI. Et je rappelle que d'ailleurs que pour l'instant le mantis, une fois qu'il est activé, peut sortir n'importe quel vaisseau de Quantum. Donc c'est à dire que vous pouvez sortir un 690 soit Marine, donc à vos risques et périls. Je vais le tester le gameplay interdiction, donc c'est pas plus mal de commencer comme ça sans trop d'armes. I saw the conversation with Dave Pollard. We've talked about this before in other segments on the law system. Basically, the system tracks who shot first. You know, it tracks aggressors, and there was some question about whether using the QED
would count as an aggressive move to some other people. And some earlier builds, it wasn't. Ok, ouais, en fait, il y avait un questionnement, so justement, parce que pour l'instant, le système, en gros, regarde qui c'est qui a tiré d'abord. Si vous tirez d'abord, c'est vous le criminel. Donc la question se posait justement de savoir si le fait d'utiliser le CUDE est considéré comme un tir. S'il n'y a pas de soucis niveau serveur, joueur, secteur où tu te fais interdire bot à proximité, la chance, lui, tu ne prends rien. Now let's talk about that for a bit. There are two kinds of quantum enforcement with Amanda. There's two different modes. Right. Let's talk about what the two modes are. Sure. There's quantum dampening. Donc pour l'instant, effectivement, il y a deux modes dans le Mantis. Il parle de ça. La question, c'est est-ce qu'il y a différents modes d'activation du Mantis et à quoi ça sert. Et effectivement, si vous volez avec le Mantis, vous verrez que à droite et à gauche, vous pouvez allumer l'appareil, mais chaque bouton vous proposera ensuite une option différente. Il y aura le snare, qui est l'espèce d'explosion d'énergie qui va sortir quelqu'un de Quantum, et il y a ce que j'appellerais le filet, en gros, qui est activé en permanence sans temps de recharge, et qui empêche quelqu'un de partir en Quantum si vous êtes suffisamment proche. You're creating a small sphere around you that prevents the quantum drive from engaging. So voilà, donc là, c'est ce qu'il explique, c'est ce qu'on avait avec la police, en fait, à l'heure actuelle, où les pirates qui nous arrêtent, c'est ça. C'est une bulle, en fait, autour du Mantis, pardon, qui empêche les appareils quantiques à proximité de se lancer. Et ça concerne le Mantis aussi. The quantum snare is the charge. Et le snare, par contre, c'est un bouton activé où vous chargez une sphère. It actually pulls the players ça se charge en énergie et après ça explose. And then holds them, also preventing them from et par contre, il y a très très long temps de recharge. While they're in that much larger sphere. At the current time, that is a 20,000 meter radius sphere. Mm-hmm. And to mitigate donc il confirme que c'est 20 km. OP use of it. There are larger green zones for each of those, the quantum snare and the quantum dampening features. So the quantum dampening green zone extends a little bit past the normal green zones we have. The quantum snare is much larger than our green zone. So you can't just go to Port Allsar and then keep firing off these quantum snare events. You can consider it like a system that was in place that RSI put in to prevent unlawful use of this device. So if you're in a region that should be protected, the device is aware of it and will prevent you from activating it. Right. Plus, it's just really annoying to be... Donc en gros, là, il parle aussi des zones vertes. Donc c'est les zones d'armistice. Hein. Il se dit que les zones d'armistice sont légèrement plus grandes que la zone du Mantis, ce qui permet de ne pas se faire emmerder par le Mantis. Donc c'est-à-dire que vous pourrez activer votre moteur quantique à l'intérieur de la zone verte de Port Olisar pour pouvoir partir sans que quelqu'un vous empêche de partir. Donc ça évitera le griffing. Et par contre, ce qu'ils appellent le snare, donc le piège, lui est plus grand que la zone de Port Olisar, que la zone d'Armistice. Mais il y a un tel temps de recharge que c'est pas un problème. Stopped right outside of the port that you're in. So. Yeah. So let's talk a little bit more about that. At first glance, introducing any kind of interdiction ship seems like it would be rife for trolling. Oh yeah. Un vaisseau d'interdiction, c'est ouvrir une porte pour le troll. Into managing this, we've already talked about limiting the size of the two modes. Et donc la question, c'est est-ce qu'ils ont prévu des choses pour empêcher le troll avec zones, where it won't trigger at all. Being et donc là, il parle justement des zones d'armistice enforced by law. If you use it even outside those green zones, but still too close to civilized areas, le côté aussi, si vous l'utilisez trop près de civilisation, vous allez prendre du crime stat. There's also things you talk in your Q&A post. And by the way, if you haven't checked the Q&A post that went up last week on RSI, you can do so once the website's back up. He realized halfway through promoting the Q&A. They're working on it. So there are a lot of resources for that.
Derp. What are some of the ways that we've gone about trying to manage this? Ouais, j'arrête de demander quels sont les équilibrages qui sont prévus pour. I mean, that was one of the main things we were worried about up front. Was I could activate this device. How do we prevent people from griefing? Because honestly, it sounds fun to just go to Port Allostar and turn it on, and people are like, they can't stop you. La première question, c'est justement comment empêcher les gens d'activer l'appareil, parce que justement ça peut sembler rigolo d'aller à Port-Lissard et de se dire tiens, je vais empêcher tout le monde de partir, c'est tellement drôle. Donc ça, c'est le premier truc auquel ils ont réfléchi. Make sure that they can't activate in the green zone, and make sure they can do it. If they do go inside the green zone, we disable it. So if you do activate it outside, the other person can't shoot you down. C'est considéré comme une arme. And once David Pollard's chain goes in, you'll be able to shoot him and take him out without yourself getting a criminal infraction. So a lot of the stuff that is getting added is ways to use the the existing system. Donc le truc, c'était justement si la personne l'utilise sur vous, vous serez capable de riposter sans avoir de creepsat. Ça, c'est une deuxième chose qu'ils sont assurés de faire. You can use it, but you're going to bring it at your own risk. So you can activate it outside, you'll get a criminal statting, and then some AI might take you down eventually because you turn into a baddie. There's also restraints on the device itself. The Mantis is kind of like one of the lower tier interdiction ships. So it only has that small range that it could pull ships out of. Donc après, il y a aussi des restrictions de conception. Donc c'est-à-dire que c'est un appareil so en fait qui fonctionne sur une toute fly, petite zone. Donc ça en fait aussi un objet qui n'est pas si puissant que ça au final. Il y a une astuce qui avait été donnée par exemple par je ne sais plus qui. En gros, si vous faites Port-Lissard Hearthstone et que vous n'avez pas envie de vous faire interdire, vous allez juste à démarre et vous sautez vers Hearthstone et ça vous empêchera de vous faire interdire par un joueur. Parce que les distances sont tellement grandes que du coup, vous serez plus sur la route du joueur. Actually, that'd be pretty cool. A bunch of players are trolling. Someone makes a service beacon saying, hey, take these out. That guy. They're griefing a bunch of people with the Mantis, and then a whole swarm of people come in. So we want to add some ways that will make it, I guess. Alors, il y a des trucs qu'ils ont prévu de faire aussi, qu'ils aimeraient bien faire. C'est que, par exemple, si un mec qui troll, qui est en train de faire du griefing, et qui trouve un moyen de l'activer sans arrêt, qui fait chier le monde, il pourrait du coup activer une mission, une balise, qui dirait à tout le serveur, tiens, il y a ce mec là qui est en train de faire n'importe quoi, et du coup il y aurait une énorme vague de joueurs qui lui arriverait sur la tronche, histoire de lui apprendre la vie. It's systemic in gameplay for the players, so it's not like they have ways to counter it using some of the systems. Now, again, this is the tier 0, so we did the green zone, the power, and the criminal stuff. Donc voilà, pour l'instant, ils ont le truc de base, ils ont les zones d'armistice, ils ont la notion de criminalité, il y a cette chose qui encadre ça. Pour l'instant, ils verront dans le futur justement qu'est-ce qu'ils feront pour ajouter d'autres systèmes pour contrer encore the Mantis at its just complete idle state, and then activating the charging up and activating the quantum snare gets you right to the edge of what your power plant is capable of. Il y a Kurtom qui explique aussi en fait que activer le piège consomme tellement de ressources que ça vous amène en fait directement à la limite de ce que peut encaisser votre power plant, donc votre générateur d'énergie. Et ça en fait aussi un équilibrage, puisque si vous avez la chance ou le malheur de réussir à attraper un vaisseau, ça vous met en position de faiblesse directement. On va commencer à mettre en œuvre les techniques d'Evenline pour les QT. Qu'est-ce que tu appelles les techniques d'Evenline ? Ça m'intéresse. Le problème actuel, c'est qu'on ne peut pas mémoriser une position. Oui, mais après, je pense pas que tu en aies besoin. Parce que je pense que du fait pour. Tu veux parler du fait que tu dises bon, ben là, il y a un joueur. Donc, on met une position pour dire où est le joueur, mais je pense pas qu'il y ait forcément besoin pour l'instant. Time, it will shut down the device.
So players will quickly learn that you'll want to turn down your other systems in order to effectively use the snare. So that's where, you know, the players are, it's up to them to decide, hey, do I want to reduce my shield? Do I want to turn off my primary weapons? Do I want to reduce my... Et donc là, il explique que justement, c'est au joueur de faire des choix sur est-ce que je baisse mon bouclier pour consommer un peu moins? Est-ce que je désactive mes autres armes? Est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire dans mon vaisseau pour trouver un équilibrage et pas arriver justement au bord de la limite du power plant? We'll continue to monitor it through, you know, we watch Jared screens, rappelle we read que the, we read comme the tous les autres systèmes du jeu, ils continuent de surveiller le jeu, ils continuent d'essayer d'améliorer, ils continuent de faire de l'équilibrage. C'est pas parce que c'est dans le jeu que ça reste comme ça et que ça ne changera plus. Éviter les lignes droites entre deux points, comme l'exemple avec des barres, pendant le QT, mémoriser la position en le saut suivant sera alors. What methods do we have to counter quantum enforcement? So, this is tier zero, and we've just implemented. So, the counterplay will be something that we develop as we get some more feedback in. And have time to iterate on donc this. Voilà, mais comme explique Kirk, c'est que les contre-mesures, ils les développeront au fur et à mesure qu'ils auront des retours sur le jeu, du fonctionnement des joueurs. Head-to-head, so there's that. Unfortunately, we don't have the ability to quantum travel outside of the normal lanes by... Flying quantum travel. Right, so you can't choose to create your own path, but... You can certainly choose to, donc il y a Kirk qui explique que malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas choisir sa route, on ne peut pas créer sa propre route, dans le sens où on ne peut pas dire, tiens, pour aller à Hearthstone, je fais Port-Rolissard, Cruel 3, et ensuite Hearthstone. Mais il dit la même chose que je disais, on peut dévier soi-même, faire un premier saut, et ensuite prendre un autre. If you think that there's going to be one in that path. A lot of people traveling to those comlinks. Yeah. And there's comarays and now to go off of plein de gens qui vont sauter sur les comarais maintenant de nouveau. Use vehicle features specifically. Pour mémoriser souvent utiliser comme ces zones. In the near future to upgrade basically ping to utilize more of those back-end services. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. More information further out. Oui, c'est ce qu'on pouvait faire avant, en fait. Mais c'est quelque chose qui est toujours faisable, en fait, dans l'absolu, la safe zone. Puisque si tu coupes tes moteurs, tu peux sortir au milieu de nulle part, pour l'instant. Donc ça te fait une safe zone. So right now, ping just finds stuff that's actually spawned. We want to adjust it to find interesting things that may not exist yet or could happen in an area. Ok, so donc ça, ce qu'ils veulent changer aussi, c'est changer la façon dont le ping fonctionne. So donc le ping, je rappelle que c'est ce qui est lié à votre radar. C'est le radar actif, en fait, c'est la différence entre le radar actif et le radar passif. Et donc ce qu'ils veulent faire, c'est que vous soyez justement, j'en parlais tout à l'heure, pour l'instant le ping ne détecte que ce qui existe vraiment autour de vous, et ils voudraient faire en sorte que le ping puisse détecter des choses qui n'existent pas. Sous-entendu des choses qui ne sont pas chargées dans le jeu. Donc c'est dans ce sens-là qu'il le disait. Not saying it will happen, but an option could happen. Something we probably would explore is maybe, you know, you would do a large ping and we discover maybe there's a interdiction happening in that area. Maybe not give you the exact coordinates, but like that area. D'accord. Ce qu'ils aimeraient faire, par exemple, c'est une supposition. C'est vous faites un ping et en fait vous vous rendez compte qu'il y a une interdiction qui arrive à un endroit. Vous n'auriez pas la zone exacte, mais vous feriez une espèce de zone approximative qui vous dit par là il y a eu une interdiction. Donc ça vous permettrait de dire tiens je prends une autre route. Maybe we require a capital ship sized QED device that in order to pull other capital ships out. There might be some counterplay with that. Donc voilà, un autre équilibrage, ce serait aussi justement d'avoir des QED qui ne fonctionnent que sur un certain type de vaisseau. Donc vous auriez un QED par exemple pour les petits vaisseaux et vous auriez un QED pour les vaisseaux capitaux. Mais peut-être qu'il vous faudrait un vaisseau capital pour sortir un vaisseau capital. We can team up with other smaller QED ships at the same time to create
a really powerful. D'accord. Un autre truc qu'ils envisagent, c'est peut-être vous mettre en collaboration avec d'autres mantis. Il y a plein de mantis. Et du coup, vous puissiez augmenter la zone effective pour sortir des plus gros vaisseaux. Ça boost power to some system to potentially burst through it or like. I mean, there's a lot of options we've talked about. Okay, une autre option qui a été envisagée, c'est de pouvoir couper des systèmes dans votre vaisseau pour donner plus de puissance au QED, pour augmenter la puissance. Will start begin to play a factor. Like you may be able to outfit a ship that's more resistant to being pulled out of, more resistant to the effects of a quantum enforcement device. Donc après, il y aura peut-être aussi des équilibrages sur des vaisseaux qui seront plus résistants que d'autres à la sortie de quantum. Des choses comme ça. Je sais qu'il y a un truc, y a un truc qui avait été envisagé à l'époque. J'espère qu'ils vont le faire. J'espère vraiment qu'ils vont le faire parce que c'est une idée que j'aimais beaucoup. C'est avoir une contre-mesure active dans votre vaisseau, c'est-à-dire que ce serait un appareil que vous mettriez dans votre baie d'ordinateur, un peu comme les IA pour contrôler les tourelles. Donc vous mettriez cette lame et il y aurait un logiciel en gros qui vous protégerait contre les interdictions de Quantum. Vas-y, viens. Tiens, Gamet. Viens là. Oui. The app Waze, when you like travel, you can have like a word of mouth thing. Je crois where, que Crispy you know, se fait like un peu chier derrière. Addicted, and then they can leave a mark or something. Il a l'impression de somebody, faire biblo. You know, they message everyone, and it's like a known thing. Then oh, there's an interdictor. Et yeah, comme il dit, il y a effectivement un truc tout simple, c'est le chat. I think you're probably absolutely right in that, Chris. As more the parce que dans le chat, en fait, justement, les gens pourront discuter entre eux, dire attention, par là, il y a un mec qui est en train de faire des interdictions. As service organizations for this kind of thing, you know, reporting, you know, quantum enforcement, you know, reported in this sector, in this sector along this. Et donc il y a Jared qui explique qu'il pourrait même se créer une corporation qui proposerait le service, en fait, là-dedans, et qui diffuserait l'info en disant attention, voilà, là-bas il y a des interdictions qui sont faites. Ce serait que les joueurs DC aiment bien faire des corporations pour tout. On a des corporations de transporteurs de fruits, on a des corporations de soigneurs, on a des corporations de religieux, on a des corporations de diplomates, on a des corporations de tout et n'importe quoi. Donc effectivement, on peut envisager qu'il y a des corporations de protection des gens qui donneraient les infos sur les interdictions en cours. Une espèce de Google Maps en temps réel. And there will be an entire new cottage industry created for players to provide services to other players. I think you probably hit that right on the head, Chris. I hadn't even thought about that. Good job. I love that app. How will players be aware that they're being pulled out? Now you talked a alors, bit about comment the problem est-ce with que les joueurs sauront qu'ils sont having the warnings sortis de Quantum. In time. Comment est-ce qu'ils seront prévenus? What will we be able to tell the okay, I've just been pulled out. Am I going to know that it was Kirk? What am I going to know about? Donc il y a Jared en fait qui demande Quantum. S'il vient de se faire interdire, so future, est-ce qu'il saura que c'est Kirk to, qui vient de improve, le faire? The UI so that we give you more information about donc that. Ils ont envie d'améliorer lui justement pour pouvoir donner ce genre d'informations. The rather large VFX ring that comes that emanated from the mantis as it's doing its either donc ça pourrait être une information qui émane en fait du mantis snare. Pendant qu'il est en train d'utiliser son appareil. Shark, like ship kind of floating toward you with this ring of rather impressive VFX coming around you. So that is one method. Donc il y a une méthode pour prévenir le joueur, c'est que justement il y a l'effet rouge autour du vaisseau, donc vous savez qu'il y a un mantis qui est utilisé, mais ça pourrait être un PNJ aussi, mais il y a le radar aussi qui peut donner des informations par rapport à ça. Because the quantum snare also increases your EM substantially, there's no way that they'll be hidden once you get pulled out of quantum travel and are within the range of your radar. Ok, donc il y a Kirk qui explique aussi que vos radiations augmentent tellement quand vous utilisez l'appareil du Mantis qu'il n'y a aucun moyen pour vous d'essayer de vous camoufler en fait une fois que vous sortez un vaisseau. Donc c'est-à-dire que l'autre joueur va forcément vous repérer immédiatement et vous voir, et va pouvoir vous foncer dessus du coup
à ce niveau-là. Donc ça permet aussi, effectivement, pour le joueur qui est sorti de Quantum, d'avoir des informations très rapidement. We were talking about that the other day about, you know, when you pull them out of Quantum, like you're there, you have to be there. You want to hit them, and they come out of Quantum so far away that you can't, that you have to like travel to them and catch up to them. You can't catch up to them to do it. It's right. That's the dichotomy, because if we're preventing quantum travel, then we can't pull you out far enough so that it requires quantum travel to get to them. Because what fun is that? Yeah. Yep. And it plus you want to pull them out with enough range that you can actually get to them and attack them or steal them, whatever. But at the same time, as a game balance, we want them to come out close enough that they have a chance to attack you for pulling me out and stuff like that. So there's push many gameplay pull, reasons to make. Il explique qu'il y avait aussi une notion d'équilibrage par rapport. Salut Rio. Il y a aussi une notion d'équilibrage par rapport à la distance à laquelle vous êtes sorti. Dans le sens, il faut que la distance soit suffisamment grande pour que quand vous êtes sorti de Quantum, vous ne soyez pas directement nez à nez avec le Mantis et qu'il se mette à vous allumer la tronche. Et en même temps, il ne faut pas que vous soyez trop loin pour pas que le Mantis ait besoin de faire un saut quantique pour revenir sur vous et vous attaquer, ce qui n'aurait absolument aucun sens. Donc il faut trouver un juste milieu dans la distance, quoi. Donc en gros, vous sortir assez loin du Mantis pour pas que vous fassiez bombarder directement la tronche, un temps suffisamment proche pour que vous puissiez riposter contre le Mantis et que le Mantis puisse vous attaquer aussi. Enfin bref. Le terminal gagne une utilité, il ne devrait pas servir de scan pour trouver des vaisseaux. Si, tout à fait. Exactement. En fait, il a déjà gagné une utilité avec le Nautilus pour les mines. Le Terrapin sera parfait pour ça. C'est vraiment le vaisseau parfait pour ça. Vraiment. Absolument parfait. Effectivement, dans l'espace, un simple point 3D est nécessaire sur une planète. Encore qui bouge, c'est une autre paire de manches. Effectivement. Ça pourrait être une mission d'exploration pays 5000. Les vaisseaux d'expo prendraient de l'intérêt. Effectivement. Make sure that they stay close together once they come out. Coucou le chien, le chat. What were some of the most difficult technical hurdles bringing about quantum enforcement? We talked about alors, quelles ont été les plus grandes difficultés techniques travel. Pour but to make this work, we touched on a little bit, but this question is what was the most difficult technical hurdle? Donc on a déjà parlé un petit peu, mais là il faut savoir quel est le truc le plus difficile. Put your fist difficile. Up to the sky in rage. le truc qui a fait lever les poings vers le ciel et rager. Non, the most difficult technical problem is what we talked about earlier. It's the predictive d'accord, model. Pour lui, c'est le modèle services, prédictif. Donc, ce qu'il disait tout à l'heure, c'est savoir où est le joueur. Anything about zones at the moment, so they don't know that you could be in a certain zone. Ça a vraiment été ça le truc le plus difficile. About itself. So the game server has to, in an optimal way, hopefully, to do the math and the calculation to consume as least CPU as possible. And send this prediction of the trajectory in a simplified but yet not voilà, et changer le système aussi justement pour qu'il puisse faire ce calcul sans trop utiliser le CPU pour pas que ce soit trop gourmand quoi. Ça c'était le truc vraiment difficile créer ce nouveau système. I believe that was it. Yes. There's also the interdiction device itself. So the back end. D'accord, il y a Marc qui dit que l'appareil d'interdiction lui-même était aussi assez compliqué. Be aware of all the interdiction devices that are active at a time. So we didn't have the new nice API that d'accord, parce que le back-end en fait devait être aussi au courant de tous les services. De tous les appareils qui sont en train de fonctionner en fait dans le jeu. C'est-à-dire qu'effectivement si vous avez 1000 joueurs qui sont en train d'utiliser leur QED, le back-end doit être au courant de ça. Ça peut être compliqué. To figure out how we could give him information to the back-end about these interdiction spheres and along with those segmented interdiction points to determine if we actually have been interdicted. When others were mentioning that those voilà, c'est réussir à donner toutes les informations au back-end sur la taille de la sphère, à quel moment elle est activée et justement à quelle distance il fallait réussir à prendre toutes ces données et les envoyer au back-end pour savoir si vous faites interdire ou pas. Donc ça, well, ça a été une difficulté when aussi. When the interdiction device is on, we have to relay that information to the back-end that we have this bubble and it's at this location, but that location's in world space.
So you have to worry about the frequency of these updates, because if et you're coup, orbiting ils s'inquiéter and you're going this way and the dots de, right here, de mise à jour de ces informations, it will rotate around and maybe you don't get interdicted, but the back end says that you are. So then we have to take that information. Pour pas que le vaisseau qui est en train de passer et la personne qui interdise soit une mauvaise position. Ça, c'est le truc justement qui est très 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 compliqué. Le mantis, lorsqu'il interdit, peut-il se déplacer? Alors, le snare, je n'ai pas testé, je pense que oui. Le filet, je sais plus quel nom il a dit. Le filet, tu peux te déplacer, c'est sûr et certain. C'est le but, justement. C'est de poursuivre un joueur et de l'empêcher de partir en quantum. Donc c'est... Tu peux te déplacer sans aucun problème. Merci pour le follow, Regiot. Enfin, Regio the One. Regio the One, j'ai mal prononcé, excuse-moi. Merci beaucoup pour le follow. Donc oui, tu peux te déplacer avec le mantis sans aucun problème. Donc effectivement, ça aussi, ça doit être pris en compte. Si vos mises à jour ne sont pas faites assez fréquemment et que le mantis est en train de se déplacer, ça veut dire que vous aurez des fausses informations. Le joueur va peut-être se faire interdire alors que le mantis n'était plus là. That we gave to the back end, go, okay, when we gave them the information, they're over here. When we got the information, because there's delays sending and receiving, we're now here. Are we actually going to interdict, or is the interdiction point at a new location? So we use the back-end service to kind of give us a hint, and then on the game side, we kind of look at that and go, that's right, but we're actually going to be here. Or we're not going to get interdicted, but it looks like we are. Let's send another one to see if that hits the back-end, because maybe it's on or off. En gros, je vais pas tout vous traduire, so the problem mais is not just en the gros, device itself, but ils font un mélange en fait entre la prédiction du back-end et ce que voit en jeu directement et ils essaient justement de faire des comparaisons entre les deux pour voir si les personnes ont effectivement été touchées ou pas par le monde. Quantum travel is very fast, so with that speed comes big distances, and so being able to ensure that we're actually going to hit the mark and be accurate with the collision of the quantum snare volumes and these quantum travel paths, and ensuring that that will work every time is was the biggest hurdle that we had to overcome. Et donc Kirk, j'ai dit que justement avec les grandes vitesses en fait qui sont en jeu dans le voyage quantique, ça fait immédiatement de très grandes distances en très peu de temps. Et donc savoir si vous êtes touché sur votre route à un moment précis, ça a été très 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 difficile à réaliser. But a second later, you could be a few million. Just because of our acceleration ramp. Yes. So a little small error could add up to a lot of error. Yes. Yeah. Yes. You agree with all that, Chris? Yeah, yes. Wholeheartedly. Je crois qu'il s'est endormi, Chris. Chris, we've already... It all sounds very logical. we talked a little bit already, Chris, about how the Mantis has taken a lot of the existing RSI design language. Donc là, ils ont déjà parlé du fait que je maybe evolved it, brought it forward quite a bit. We've been making these ships for a while design. Now. Hypothetically, were you to work on another RSI ship, what from the Mantis would you si want to bring forward? Si bossait sur un nouveau vaisseau RSI, en fait, quelle partie du Mantis il garderait? Non, pas spécifique, mais what about the improvements to the visual language of RSI? What would voilà, you be looking forward to? Qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration sur le Mantis par rapport au visuel du RSI, de chez RSI, pardon, qui serait gardé pour un prochain vaisseau? I mean, I would et say, Chris you know, again, c'est assez dur like we sort of said in the beginning, this is a different ship from RSI. It's actually this, well, the Aurora is there, but I mean, it's been a little bit more. This one is a little bit sleeker than the ones before. Bon, alors là, il se répète un peu, mais il dit la chose qu'il a déjà dit. I would say we. Il est un peu moins militaire. Il est un peu plus. We would probably still do a minimal amount of struts like we did with this one. Il y a un Robocop. I'm not saying we're getting rid of them. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y avait un Robocop. Strike a balance. I think the early iterations of RSI ships, you know, could be excessive in some cases, and yeah, hard to tell. Maybe some pour of lui, the c'est difficile just à dire. Il pense pas en toi qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé. One, donc just il pense some plus of the small que c'est. And stuff.
Parce que c'est au niveau de la technologie, en fait, des petits détails. Again, qui I don't know if I would want this look on a Bengal carrier. I like the Bengal carriers. It's like a big, you know, a military ship. So you wouldn't want this sort of like sleek design. Probably wouldn't work for Après, il explique que ça dépend aussi du vaisseau, parce que si on prend le Bengal, par exemple, on ne voudrait pas que le Bengal, qui est très militaire, ressemble au Mantis. Le Bengal, j'aimerais bien le voir. Agreed, yeah. Pour répondre à cette question. Mais ouais, il explique que ça dépend vraiment du vaisseau en lui-même, plus que de la marque. Going a little bit more in the direction of the Mantis, perhaps. Yeah. It's also interesting, there's something... I've followed this community for a long time, and we see a lot of that looks like an Aegis ship, or that looks like an Anvil ship, or that doesn't look like a Drake ship, or whatever. Everybody's got an opinion about, you know, alors, what y a looks like qui ils ont vu beaucoup d'opinions sur les vaisseaux, c'est-à-dire que you made a good point earlier sort, that as far as ships that have been implemented in the game, disent, we don't actually have a lot of RSI ships that have been implemented in the game. Since the Bengal and the Polaris and the Orion are still outstanding, it's really just the Aurora and the Constellation. Before this, so that still leaves a lot of room to explore what it means to be in RSI. Et du coup, par rapport à RSI, comme il y a eu que le Aurora et le Constellation vraiment en jeu, ça laisse beaucoup de place en fait pour l'exploration de design par rapport à ce qui était fait chez RSI. Well, when I saw it first, I thought it was I liked it too. Marc, but I thought it was more like aimé. You know, when a car manufacturer, they'll hire some external designer to say. Hey, go do an experimental design to see how it looks. Right. That's exactly what I thought when I saw this. D'accord. I'm like, en fait, Marc, la première fois qu'il a vu le vaisseau, il s'est dit, parfois les constructeurs de voitures embauchent des designers extérieurs, comme Pininfarina chez Peugeot, par exemple. Il s'est dit, car companies started il s'est dit que c'est exactement ça ce qui s'est passé avec RSI, en fait. C'est comme si RSI avait embauché un designer externe pour faire un nouveau vaisseau. A lot of that is actual car designers moving from one company to the other. And then that's how that happens. That's true. I mean, Chris qui explique aussi que ce qui arrive très souvent, c'est des designers d'une marque qui bougent chez d'autres et qui du coup apportent leur vision des choses chez les autres constructeurs. All right, that's it. That's all the time we got. Et I gotta let you guys get back to work. Thank you so much, everybody, for taking your time to join us. Although you made it through your very first video, anything, and I made it a live show, threw you right in the bon, fire. Bon, je suis désolé. L'heure de live, so absolutely, I was very mais happy to participate. Temps, thank you very much for the opportunity. Il y avait beaucoup de choses à dire. Il y avait beaucoup de choses techniques, et je pense que c'est important de prendre le temps de vous transmettre celle le plus clairement possible. That's Aldo. That's Mark. That's Chris. I'm Jared. That's all we got time for here on Star Citizen Live. Keep an eye out on the website, guys. I've been reading. Je vais couper là. Et j'espère que ça vous a plu. Le Mantis, quand il est interdit en principe, il bouffe son énergie, donc il devrait pas être trop mobile. Non, c'est ça. En fait, il pourra pas faire des grosses accélérations. Si vous allez utiliser l'afterburner, par exemple, il va se couper. C'est sûr et certain. Vous allez tout perdre et ce sera foutu. Par contre, vous pourrez quand même pousser la manette des gaz et atteindre votre vitesse maximum. Pour ce petit vaisseau, il en avait beaucoup à dire. Mais en même temps... Il y a un vaisseau, mais il y a un gameplay qui vient avec directement pour la première fois. Donc, je comprends qu'ils aient pris le temps d'expliquer comment ça marche et de répondre aux inquiétudes, surtout qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes par rapport au fonctionnement de l'interdiction. Et c'est normal, parce que ça fait peur, hein, ça fait penser au griefing tout de suite. Donc, je comprends qu'il y avait des questions. Et à propos de questions, si vous en avez, n'hésitez pas à les poser. La moindre question, peu importe ce que c'est le moment ou jamais. Et moi, j'ai une soif, j'ai beaucoup parlé. J'ai l'impression d'avoir fait un concert de 2 heures. Le Banu a des très bonnes armes et moteurs. Il a l'air, je l'ai testé vite fait ce matin, il a l'air vraiment pas mal. Il y a quelqu'un chez nous qui a fait le Pirate Swarm en solo avec le Defender. Donc du coup, il a l'air plutôt efficace.
Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser là. Oui, c'est un vrai chat. Les zigs des restops sont super cool. Elles sont magnifiques. Vraiment, vraiment magnifiques, les nouvelles musiques. La musique dans le... dans la cinématique du Banu Defender, pareil, elle est sublime. Si vous n'avez pas vu la cinématique du Banu Defender, foncez la voir, elle est géniale. Et sinon, bah écoutez, c'est tout pour moi pour ce soir. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez raté un bout du live de ce soir, la rediff sera sur la chaîne dès demain. N'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee et sur YouTube si vous aimez mon travail. Moi, je vous fais plein de gros bisous des étoiles et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.